Là, par exemple, je suis content. Là, parce que là, je viens de sortir de chez nous, ok? Hier, je suis arrivé à. Je sais même pas quelle heure, on s'en fout, c'est pas ça important. Dans le fond, là, je viens de partir de mon char, j'arrive pour reculer, je fais comme. Oh! La lumière, là, est allumée. Là, je regarde, puis genre, à on, c'est pas parce que la porte est mal fermée, fait que je suis comme, yo, elle a passé la nuit au complet allumée, man. Une chance que c'est une lettre, ma batterie est même pas à terre, ben, je suis vraiment content. Ça, aucun rapport. Ben, je capote sur Twitter. Fait que je m'en vais chercher des tailleurs, tu vois, qui donnent des tailleurs. Là. Fait que je m'en vais chercher ça. J'ai plein d'affaires à faire aujourd'hui. Là. On va tout faire ça. Faut que j'aille chercher la plaque justement pour faire mes rails de bain et toute la patente. Comme on peut voir, moi, je suis un gars de collection, ok? Fait que je collectionne les chars, ok? 1, 2, 3, 4, dans le garage 5, 6. Il y en a d'autres en arrière là-bas. Je collectionne les tailleurs, ok? Ouais, c'est ça, là. Il y a des hauts en plus, des hauts des portes, là, ça. En tout cas, j'ai juste pas de place pour aller m'en débarrasser. Mais tu sais, ici, j'ai des piles de tailleurs, des piles de tailleurs. Ici, j'ai des piles de mag. Puis je collectionne les Hot Wheels. J'aime ça, les collections aussi. Il faudrait que je vous montre la collection d'Hot Wheels plus tard, mais plus tard, si j'y pense, si ça vous tente. De faire des commissions, man. En fait, je sors du Canadian Tire, man. Je tourne, ça a fait pétard. Tu j'ai tourné ben trop serré, man. J'ai ramassé mon mag. Je pense que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Puis là, ben, je regarde, puis il a l'air de gonfler un petit peu, là. Fait que j'avais d'autres choses à faire, là. Je pensais aller ailleurs, mais là, je suis rendu chez nous parce que j'étais pas bien loin. Fait que je vais le laisser là, hein. Puis je vais revenir dans une demi-heure. S'il est sur le flat, ben. On verra ce que je fais. Puis sinon, ben, je vais le regonfler, puis. J'irai continuer mes commissions. Dommasse. En fait, ça a juste un effet, vu que tantôt, en tout cas, il était à côté, juste genre sur. Il y avait une petite bosse vis-à-vis là, là. Fait que, en tout cas. Parce que, en réalité, il est moins mou qu'il était dans la rue, là. Là, je l'ai reparqué, puis en tout cas, ça fait 3 minutes, là. M'attendre ici une demi-heure, là. Si dans une demi-heure, il n'est pas dégonflé, tant mieux, là. On. Ça a même mangé un bout de tailleur. Oh, je suis con. Là, quand tu te sens plus cool que tu l'es vraiment. Là, aujourd'hui, premièrement, je suis en vacances, man, ok? Puis là, je vais plus jamais retourner travailler, man, c'est la grosse vie sale. Ça, c'est de 1, ok? De 2, je me promenais avec le pick-up, mon pick-up, ok? Le pick-up à cave, dans le fond. Je me promenais avec le pick-up à cave, pour aller chercher du métal. Puis là, justement, j'avais une commande de métal à faire, genre, puis là, je m'en vais, genre, en tout cas, le gars, il check ça, puis il fait, ah, va falloir que je te le coupe. Fait qu'il m'a fait, genre, une commande de métal, là. Je sais pas, je sais que ça n'a pas rapport, mais je suis comme, yo! Il a coupé ce métal-là pour moi, là. Je suis rendu important! Vraiment pas, mais en tout cas, c'est ça qui se passe dans ma tête. C'est comme la fois que Kev m'avait livré le tercel, j'étais là, wow! Ben, si tu fais livrer mon nouveau char, tu sais, c'est un peu la même affaire, là. Tu sais, c'est genre, c'est vraiment pas cool, mais dans ma tête, ça sonne tellement cool que c'est ça qui est ça. Fait que ça, ici, ça va être pour un projet très spécial, ok? J'ai 4 plaques que je me suis fait faire sur mesure. Ça, ici, ça va être pour le même projet spécial, ok? Merci Danny Villeneuve, et on en parlera plus tard. Pis ça ici, c'est pour faire mes tracks de banc qui sont peut-être déjà sortis dans une vidéo, je sais pas. Fait que c'est ça, je m'en viens déloader ça au garage, puis après ça je ramène le truck à Kev. J'avais laissé mon Civic en échange. Fait que je vais débarquer ça, puis je vais aller changer mon truck contre mon Civic. Quand même 6 pieds de long, cette fucking plaque-là. Là. Moi, j'étais sûr que j'allais dépasser de la boîte ou je sais pas quoi. J'avais amené des straps, puis je suis impressionné, là, ça fit, puis ça rentre encore. Là. Je capote, man. C'est donc bien grand, un truck, man. Wow! D'ailleurs, hey, la fois là, que j'ai fait le clickbait, que j'avais acheté un truck, là, je me trouvais vraiment drôle, man. Et en même temps, finalement, ben, en lisant les commentaires, je me suis aperçu. J'ai l'impression que personne qui a écouté la vidéo au complet, tout le monde était là, ah, yo, ton truck, c'est quoi le moteur de ton truck? Finalement, c'est pas mon truck, ok? Ça, c'est pas à moi. Qui avait acheté ça? Moi j'ai racheté le tercel. Je voulais juste être sûr que c'était mis au clair. Fait que c'est ça. Là, un petit problème de tailgate ici. Là. La poignée là. La poignée elle file lousse pis. Ça clenche plus, man. J'ai brisé le pick-up à Kev. Ça y est. J'étais trop doux vu que c'est pas mon pick-up. Là. Faut que tu le prennes. Putain, tu slams. Finalement ça marche. Fait que ça c'est bien chill, man. Ah si, c'est important quand t'as un truc. J'ai l'impression de rouler mon Silvia. Quand je roule mon Silvia, tout le monde me regarde pis je suis comme, ouais, hein, il est cool mon char. Quand je roule le pick-up, là, je suis comme, regardez-moi, je suis cool. Mais personne qui me regarde, hein. C'est genre, je suis en tout cas. Peut-être juste dans ma tête. Hein. Je pense que je suis dû pour m'acheter un truc.
trouve ça vraiment cool, un truck. En plus, quand t'as un trailer au bout pis t'as ton char de drift dessus, là, me semble que t'es important. C'est dégueulasse ce que je suis en train de dire, hein. Ben, excusez. Yo, quand j'annonce à partir mon char pis qu'il est fret, pis que là, le gaz il a pas l'air de marcher parce qu'il est trop bas parce que j'en ai pas mis depuis longtemps, pis que le speedomètre marche pas, j'ai l'impression d'avoir une boîte avec tout le shit qui marche pas, mais tout marche. C'est juste qu'il est fret pis il y a pas de gaz. Pis dans le fond, il manque la fuse. Ben, tantôt, je m'en venais, pis là, je regardais, là, ici, pis là, j'étais comme, ouais, pis là, ça s'en venait gros du calcul, j'étais comme, je suis en 4, à 3000 tours, normalement, ça fait à peu près 80 km/h, mais j'ai une tranny de X, fait que ça doit être plus comme 90 km/h, mais j'ai des petits tailleurs, fait que ça se peut que je roule juste 80, dans le fond. Fait que, ouais, c'est pas mal ça qui est ça. Fait que, faut que je répare ça, mais plus important encore, bon, pas capable de pousser dedans, ça marche plus. Là j'étais comme ok, mais tu sais, en tant que tel, ça, ça a l'air de marcher, là j'entends que ça clip toute la patente. Ça aussi ça a l'air de marcher, mais ça marche pas, tu sais, mais ça a l'air de... quand même, là, tu sais, mais... Puis celle-là aussi a l'air de marcher, mais... Moi, le plan, c'était d'enlever l'intérieur de la porte. Je me suis dit, j'enlève l'intérieur de la porte, je regarde dedans, peut-être que la rod, a, je sais pas quoi, mais je l'entends bouger, la rod. Ah, ben, peut-être, dans le fond, qu'elle fait juste bouger les plastiques, pis qu'elle est pas reliée. Je sais pas, va falloir l'arracher. Sauf que, problème numéro 2, normalement, pour enlever soit la porte, soit l'intérieur de porte, il faut que tu ouvres la porte. Puis là, ben, le problème, c'est que la porte, elle, ben, elle rouvre plus. Faut que je trouve quelque part où mettre ma caméra pour vous montrer la façon que je rentre dans mon char depuis 3 jours. Je suis rendu un expert, là. Aïe, pour vrai, je me suis fait du fun. C'est rare que je sortais par la fenêtre. C'est arrivé genre une fois, là, l'autre fois avec des chums de gars. Mais sinon, je sortais puis je rentrais par là. Surtout le matin, tu sais, le char il est barré. J'arrive, ouf, 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 de bord, le char, pouf, pouf, je rentre. Puis en tout cas. Fait que, on va essayer de checker, voir qu'est-ce qu'il faut là-dedans. Ça, je suis content parce qu'il y a des chars qui ont des vis dans le bas. Le mien, il n'y en a pas. Ça, c'est un plus. Là, j'ai mis ma main dans le crack-là. Puis là, bang, 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 bang. Puis là, le cul est débarqué. Fait que là, je peux la lever, style comme une Lambo Doors. Juste ici, dans la main, qu'elle accroche. Je me rappelle pas si j'ai enlevé le plastique, ça. Peut-être pas, je sais pas. Bruh. Non, c'est vrai, le speaker est sûrement encore plugué, par exemple. Ah, le speaker, man! Dans le fond, le fil de speaker, c'est la seule chose qui me retenait. Bon. Fait que j'ai ressorti ma vieille porte de Suvic. En tout cas, j'essayais de faire le catch là, qui était vissé par ici. Après ça, là, j'ai enlevé justement les petites broches là, ici, ici, l'autre en dedans. Là, il fallait que j'enlève ceux de la poignée de porte, mais là, j'étais bloqué par la fenêtre. Fait que dans le fond, ça ressemble à ça, la patente. Genre, de même, il serait barré. De même, il serait débarré. En principe. De même, il est fermé. Si je joue avec la rod ici en haut. Hop, de même, il est débarré. De même, il est barré. Si je lock ça, j'essaie de jouer avec la rod. Mais il se passe rien. Si je le déloc, j'essaie de jouer avec la rod, je le déborde tout de suite. Ok. Si je le relock, c'est quoi cette rod là? Ok, ça c'est pour le barrer, mais c'est la tige qui va vers en dedans. Ça c'est la tige qui va vers la serrure de porte. Ok. Dans le fond, là, j'ai étudié le mécanisme.
Ben non, attends, wow, je me reprends. Dans le fond, j'ai regardé des vidéos sur YouTube tantôt, là, chez nous, au début, comme que je disais tantôt, là, puis là, eux autres m'ont expliqué comment le mécanisme marche. On s'entend que j'ai rien compris, parce que c'est un peu comme ce que je vous montre en ce moment, vous avez sûrement rien compris. Cowboy. Je rentre ça ici, je vais chercher la pin, je vous montre ce bord-là, et ça marche pas. Oui, c'est parfait, je savais que j'étais capable. Lui est fermé. Tu bosses ça ici. Tu vas chercher dans le fond. Tu vas chercher dans le fond comme ça ici. Tu tournes. Et voilà. Il est débarré. Fait que maintenant que YouTube m'a expliqué comment ça marche, puis que je l'ai essayé moi-même pour mieux comprendre, je suis prêt à l'essayer. J'ai pas tout perdu, man! Nice! Cochonnerie! Fait que là, en principe, je peux réinstaller le nouveau. J'ai comme un peu peur là, de ce qui va se passer, mais... Ah, hey man, il y a eu un moment, là. C'est arrivé quelques fois dans ma vie, là. Genre, quand j'ai fait les bushings de temps à ma blonde, quand j'ai fait la suspension en arrière, j'ai pas fait celle-là, mais ça m'est déjà arrivé de péter des bottes, là, en tout cas. Puis comme ça, là, tu sais, en tout cas, il y a un moment où ce que tu te dis, fuck, jamais est-ce que je vais. Jamais est-ce que je vais m'en sortir, je sais pas quoi faire, man, c'est sans espoir. Finalement, ben. Il commence à avoir de l'espoir, là. Fait que je vais retrouver la vieille pièce. Oh, ici. Puis je vais essayer de foutre ça dans le trou, puis on va voir qu'est-ce qu'on va voir. Merveilleux. Presque merveilleux. Le problème que j'ai en ce moment, c'est que la clip est censée aller... Oh! Bon, elle est censée aller traiter dans le trou. Sauf que, si on regarde comme il faut, l'autre ressemblait à ça ici. Tu sais, on voit qu'il y a comme une forme dedans, là, je sais pas, comme une vis de purge, on va dire. Sauf que ça, c'est relié là, puis ça, je suis pas capable de le défaire, là. Fait que ça vient comme avec le catch. Puis si on regarde encore celle-là, là, on voit que la forme est plus là, là. Fait que c'est pour ça que ça débarque tout le temps. Fait qu'il va falloir que je trouve une solution. Soit j'installe un autre catch, mais ça me tente pas trop, parce que j'ai tout remonté puis j'en ai pas d'autres en stock. Je vais pas remonter l'intérieur de la porte, comme ça, si jamais la porte est à lâche, je repasserai par la porte de droite, puis oups, je vais pouvoir en rentrer, puis tu sais, on va pas ira en marchant dedans. Fait que c'est ça, puis là, ben, je me rappelle que c'était la Fuse 15 l'autre fois. Ah, la Fuse 15. C'est censé être celle-là ici. Surprise! Répété! Fait que je vais juste en mettre un autre. Je vais garder les cutters dans mon char. Parce que dans le fond, là, ça fait 3 ans que j'ai le char. J'ai pété la fuse, v'là, genre, 1 an. Puis j'ai pété la fuse, v'là, genre, 2 semaines. Puis je l'ai repété là. Je vais me garder un paquet de fuse dans le char, puis je vais garder la pince. Puis la prochaine fois que ça arrive, je vais pouvoir juste le faire. Wesh. Je m'excuse tout le monde. J'ai voulu faire un cut-off trade pipe, finalement. On dirait, tu sais, les D17 en papier mâché, là. J'avais peur de que ça finisse mal. Au pire, je t'aurais prêté un char, mais j'avais pas le goût de me prêter. Puis là, ben, il a été taille râpé là pour pas frotter. C'est pas pire, ça. Il a été bien taille râpé. Minou! Je suis fier de toi, Minou. T'as bien fait ça. Ouais. Ah ouais, c'est parfait, ça. Mais je trouve qu'il manque un peu de taille râpe, mais en fait, il en manque pas sur ce job-là. Il en manque juste un peu partout d'autres. Genre partout sur le char, mettons. Il en manque d'autres partout sur le char, mais... Mais non, c'est ça, c'est quand même bien. J'aime ta réparation. C'est digne de la chaîne de Jiguerette. C'est le bord de la rue, ouais, c'est le bord de la rue. C'est une belle réparation, ça le fait. L'autre à côté, man, il rira plus ma carte pour la VTAC. Là, si dans son Kia, il va capoter, man. C'est moi, comme toi, mon père est de clutch.
power shift. Ouais, il va quand même bien. C'est pas comme un Covin Vitac, là, mais c'est quand même chill. Mais c'est un peu char battu depuis que je suis arrivé à la maison. Là. On me demande bien pourquoi. Yo, c'est fucking sick! Wow! Ok. On le sent, man, qui est le vide.